Oh Rachamana Pawa. Sora Bayoka. Tu ne sais que les béas. Toi qui es assis au trône saint. Fais voir le trône qui est en train de mettre la triveilla. Fais voir le trône qui est en train de mettre la triveilla. Mais quatre êtres vivants. En train de célébrer, en train de dire que tu es saint. En train d'exprimer ta sainteté. C'est pourquoi le Dieu, le véritable Dieu, nous voulons élever ton trône. Le véritable Dieu. Oui, c'est le nom de Jésus. Il est le roi, il est le maître des temps. L'incarnation de la divinité. Le Dieu qui ne change jamais. Il y a des récréés. Les noms qui sauvent. Sans
Salis, amen.
Acclame parce que Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Élève ta main droite plus haut. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, Dieu a toi. Merci Jésus pour mes enfants. Merci Jésus, Dieu a moins j'ai une toupatie. Merci Jésus à cause du moins que tu viens de nous donner. Merci Jésus pour invite qu'on a tout combattu à Mouchana aussi. Merci Jésus pour le combat que tu es en train de mener. Merci Jésus, malade une nidunza. Merci Jésus, j'étais malade et tu m'as guéri. Merci Jésus, misiba na misiba qu'on a tout épouché. Merci Jésus des accidents et des accidents qui nous épargnent. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous connaissez plus à nyumba yangu na batoto yangu. Épargne ma maison ainsi que mes enfants. Oui, comme on le merci Jésus. Élève ta main plus haut. Dis merci Jésus. Comme on dit tambo c'est mani mungu. Et si tu te découvres réellement que tu es Dieu. Comme on dit tambo c'est mani mungu. Si tu te découvres réellement que c'est Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu a moins j'ai appelé I. Pour le mois de février. Des morts et des morts, mais nous tu nous as gardés. Des difficultés en difficultés, mais nous tu nous as gardés. Merci Jésus. Il y a quelqu'un qui pourra élever sa main plus haut en disant merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh la moelle qui est souhaité. Que pourrions-nous lui donner ce matin? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
merci, merci. On y m'a mal à mouiller. Merci Jésus, quoi Dieu t'en franchi. Merci Jésus qui peut célébrer. Merci Jésus, merci pour tout ce qu'il a opéré. Chachika mikono yako. Je n'ai pas encore entendu tes acclamations. Chachika mikono yako. Je n'ai pas encore entendu tes acclamations. Chachika mikono yako. Je n'ai pas encore entendu tes acclamations. Chachika mikono yako. Je n'ai pas encore entendu tes acclamations. Baimbaji chachika mikono yenu. Les chantres, je n'ai pas encore entendu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour tout ce que tu es en train d'opérer. Merci Jésus kwa mpumuzi anatupatia. Merci Jésus pour le souffle merci de vie. Merci Jésus kwa kutusaidia. Merci Jésus pour pouvoir nous aider. Mishashika mikono yako. Jusque là, je n'ai pas encore entendu tes acclamations. Shashika mikono yako. Je n'ai pas encore entendu tes acclamations. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bariki Mungu, merci Jésus. Béni Dieu, merci Jésus. Tout en bouche à Kuingisha février pour nous faire traverser jusqu'à merci Jésus. 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 Béni toi qui acclame. Sababu Mungu anastahili. Parce que Dieu il est digne. Mina penda makutano mujima ipike mikono. J'aimerais que toute l'ensemble acclame. Jésus. Le temps de Dieu. Nataka tusome. J'aimerais qu'on puisse lire. Na kwa tayari. Et sois prêt. Juni message yako. Parce que c'est ton message. Koko muntu aneza kuheshimu mandiko. Il y a quelqu'un qui peut respecter ou qui peut honorer les Écritures. Dieu est en train de faire du bien. Tiens-toi debout, ma sœur. Que cette parole que tu honores puisse te guérir. Que cette parole soit accomplie sur ta vie. Mwanzo, Genèse, Mwanzo, Kutoka, Exode, Sura 3, chapitre 3, Mostaro 21, 22. Verset 21, 22. Exode chapitre 3, 21 jusqu'à 22. Et l'autre va nous lire. Esaïe 22. Esaïe. Chapitre 22, 18 à 24. Esaïe chapitre 22, 18 à 24. Proverbe 3, Proverbe chapitre 3, 16. Balebe kona mandiko ma Biblia Mungu amibariki. C'est là qui ont le Bible que Dieu vous bénisse. Et ceux-là qui sont en train de sonder les Écritures, que Dieu vous bénisse. Il faut commencer à sonder ou à méditer. La Bible, on ne la lit pas seulement si on te donne Bible un thème. La Bible doit être lue chaque jour. Surtout vous, les chants. Vous devez connaître les thèmes que nous avons. Et là, vous allez marcher bien. Que le cantique s'accorde au sujet que nous avons. Merci, le premier va commencer. Exode 3, 21, 22, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je ferai même trouver grâce à ces peuples aux yeux des Égyptiens. Nita ofanchia pia mema awata ifa kumancho ya wa Misri. Shikia. Acha mbele kulengama. Kama unasoma unashika maandiko utabarikiwa sana. Sera béni abondamment.
Ces gens ont obtenu une faveur devant les yeux de Dieu. Ce matin, il y a une personne qui obtiendra une faveur. Amen. Ces gens, ils ont eu une grâce devant Dieu. Et si quelqu'un a obtenu une grâce devant Dieu, il n'y a rien qui pourra le refuser. Il n'y a rien qui pourra s'opposer de lui. Parce que quelqu'un a eu grâce devant Dieu. Je sens une personne qui trouve grâce de ce côté-là. Je dis que tu trouves grâce. Et trouver grâce. Même Jésus. Il a trouvé grâce devant les hommes et devant Dieu. Si tu trouves grâce devant Dieu, ton ennemi à toi peut commencer à travailler à ta faveur. C'est lui qui te combattait. Il commence à faire du bien pour toi. Trouve grâce ce matin. Que tes enfants trouvent grâce ce matin. Que ta maison trouve grâce ce matin. Si quelqu'un trouve grâce devant Dieu, la première des choses, le ciel s'ouvre. Si tu trouves grâce dans le territoire où les gens sont en train de se combattre, toi tu ne peux pas te battre. À cause de la grâce, toi tu trouveras ces choses. Je ne t'ai pas encore entendu. Quelqu'un qui a trouvé grâce, il a trouvé grâce devant Dieu. Qu'il y ait le tribalisme. Qu'il y ait un combat. Qu'il y ait la sorcellerie. Mais si lui trouve faveur, et la grâce que tu as obtenue va te faire entrer dans la saison. Je suis en train de voir les gens entrer dans la saison. Oui, je vois les gens entrer dans leur saison. Le problème, ce n'est pas la jolibilité. Le problème n'est pas la taille. Mais le problème, c'est obtenir faveur devant Dieu. Si tu trouves grâce devant Dieu, je déclare, cette année, tu trouveras grâce devant Dieu et devant les hommes. Ce que tu cherches, si tu trouves grâce, malgré l'âge, Abraham a trouvé grâce. Il a trouvé grâce. Ce n'était pas le temps qu'il pouvait mettre au monde. Comme il a trouvé grâce, Dieu lui a donné même la capacité de faire ce que tu ne peux pas faire. Ce que tu ne peux pas faire. Capacité notre capacité ne provient pas des aïeux, ne provient pas des hommes. Ça provient du Dieu qui a créé la terre et le ciel. Si tu trouves grâce, la grâce t'accordera une capacité de réussir. Reçois la grâce. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Frère,
Même à l'université. Même à l'université. Bouchao bupande. Que la sorcellerie monte. Mais occupé ou même. Et si tu trouves grâce. Ou ta fanya bile banka ba fanya. Tu feras ce que les hommes ne font jamais. Même ni kintu kingine. La grâce c'est une autre chose. Marie a joué mzuri. Marie n'était pas belle de plus que toutes les femmes. C'est la faveur qu'elle avait obtenue. Et si la faveur tombe sur toi, elle commence à démontrer la saison. Elle commence à démontrer le temps. Salut celui qui est à gauche. Tu lui dis, trouve faveur devant Dieu. Ok, dada. Ok. Soma dada. Tu cales. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Nita fanya ou pas tenema kumbele ya wa misri. Mushiki, mita fanya. Je ferai. Mi mungu mita fanya. Moi Dieu, je ferai. Ambia ou la se mungu atafanya. Mungu atafanya. Imani moya ya chini Mungu wangu. Ah, une foi médiocre mon Dieu. Kama una na foi, si tu n'as pas la foi, auwezi kumpendeza Mungu. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Uko mu présence ya Mungu ni nini? Tu es dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Aba kwa role? On t'a pas encore enrôlé? Aba kwa role? On t'a pas encore enrôlé? Ubi ori achebe atumika photo ya. Ou bien tu laisses, on est en train d'embellir la photo. Si tu es dans la maison de Dieu, agite un peu. Je bénis l'interprète. Je ferai même. Écoute, je ferai même. Que tu trouves même grâce devant ce peuple. Wow. Mitafanya, je ferai. Oule konasema? Celui qui parle. Ni Shakapanga. C'est le créateur. Oule konasema? Celui qui parle. Ni oule Niko. C'est celui qui est Jésus. Mitafanya, je ferai. Bila biwezekana. Ce qui est impossible. Binawezekana. Devient possible. Je te cherche, c'est toi que je cherche. C'est toi que je suis en train de chercher. Tu es où? Je te cherche. Nico, je suis Diana. Hier, yeah. Léo, aujourd'hui, mitafanya, je ferai. Anafanya kabila biwezekana. Il fait ce qui est impossible. Binawezekana. Devient possible. Hey. Mitafanya. Mungu anafanya kitu kimoya. Dieu veut faire quelque chose. Mungu anafanya kitu kimoya. Dieu veut faire quelque chose. Iki kitu anafanya. La chose qu'il veut faire. Ni mambo ya sasa. C'est un problème qui est nouveau. Mambo ya sasa. Un problème nouveau. Mungu anafanya mambo ya sasa. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. My God, my God. Oh mon Dieu. Mungu anafanya mambo ya sasa. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Il est mambo. Ce problème là. Itashangaisha. Va faire étonner. Irikuya. C'était 430 ans. Abantu. Ces peuples. Barimuchukia Israël. Ils ont haï Israël. Barimukombanisha Israël. Ils ont combattu Israël. Barimutumikisha Israël. Ils ont fait travailler Israël. Bien-aimé. Bien-aimé. Comme on appelle la faveur. Et si tu trouves faveur. Paka ou le chef yako. C'est le matin chef là. Arikukunjamisha. Qui t'avait courbé. Atakwa meskalier yako pano tapandi. Tu seras de l'escalier là où tu monteras. Comme on appelle la même. Et si tu trouves grâce. Paka bale barikufungia mulango. C'est là qui t'ont fermé la porte. Jobale. Ce sont ceux-là qui vont ouvrir ta porte. Ceux-là qui t'ont combattu. Ce sont ceux-là qui vont te bénir. Parce que Dieu se lève. Et si Dieu se lève, et il te fait faveur. Il est faveur. Cette faveur. Faveur. La faveur va nous donner les choses que nous ne méritons pas. Faveur. La faveur. Il n'a pas dit Abraham. Donne à Abraham. Mutoto. Un fils. Il n'a pas dit Toto. Il lui a donné les enfants. Faveur. La faveur. Il n'a pas dit Kabintu. Nous donne les choses. Bile Bintu. Et ces choses-là.
qui sont en train de durer longtemps. Les choses qui durent longtemps. Lorsque que la faveur te donnera. Ce n'est pas le règne pour deux minutes. Saül. Il a obtenu. Il a obtenu la royauté. Mais cette royauté était éphémère. Mais je prophétise. À cause de ce bien-aimé. À cause de cela que Dieu prie. Si tu plais à Dieu. Et si tu agrées Dieu. Faveur, il te fera faveur. À cela qui t'haïssent. Ils vont t'aimer. Oh mon Dieu. Alléluia. Si l'homme anapewa trouve nema grâce, unapewa nema. Si tu trouves grâce nema, la grâce inatulete yaka nous apporte bile bantu abezi kutupa ce que les hommes ne peuvent pas nous donner, bile bantu bari kukataria ce que les hommes t'ont refusé, inema cette grâce mimi tafanya moi je ferai que tu trouves grâce devant ce peuple. Ce peuple qui sont-ils? Ce sont les Égyptiens. Les Égyptiens. C'est-à-dire le ténèbre. C'est-à-dire les sorciers, les magiciens. Mais Dieu lui a fait grâce. Devant les magiciens. Devant les magiciens. Devant les sorciers. Je te prophétise. Regarde-moi avec les yeux spirituels. Bien-aimé. Dieu te fera grâce. Devant les satanistes. Devant les rosicriciens. Devant le fétiché, c'est ça la faveur. Et cette faveur reçoit là. Cette faveur que Dieu te fait. Aux gens de ténèbres, Dieu t'a fait. Faveur. La faveur. Boba na kombanishana. Et ils combattent. Mais boba tanza kukubariki. Et aussi vont commencer à te bénir. Boba tanza kukubariki. Ils viendront te bénir. Pake vuneka mukono yulu. Tel que tu élèves ta main plus haut. Poke anema. Reçois la grâce. Poke anema. Reçois la grâce. Poke anema. Reçois cette grâce. Nema. La grâce. Mungu. Dieu. Il les a fait grâce. On les appelait esclaves. On les appelait esclaves. Frère. Laisse le murmure. Laisse le tribalisme. Cherche la grâce. Avec la grâce, nous allons régner. Avec la grâce, nous allons accéder là où on ne peut pas. Quelqu'un qui a la grâce, tu ne peux jamais le stopper. Il savait bien que cet homme, ces gens, ce sont les Hébreux. Les Hébreux, on les connaissait. On les a fait travailler. Mais le temps que Dieu se lève, pour que Dieu te fasse grâce, il faut que fidèle. Il faut que tu sois fidèle. Il faut que motifu. Il faut que tu sois obéissant. Il faut m'upendeze. Il faut plaire. Il faut nema. Cette grâce. Aute pata kuba kandembo. Tu ne peux jamais les trouver chez les ndembo. Aute pata kuba kasai. Tu ne peux jamais les trouver chez les kasai. Aute pata kuba kwantombolo. Tu ne peux pas les trouver chez les bakwantombolo. Kama Mungu anafanya faveur. Si Dieu te fait faveur. Milango le rifunga. Le porte qui était fermée. Les portes vont commencer à s'ouvrir automatiquement parce que tu as obtenu grâce. Quelqu'un qui a la grâce. Israël était esclave 430 ans. Mais pendant qu'il a eu faveur, la grâce, il fallait que Dieu puisse le combler. Sa grâce. Sa grâce est en train de combler. Dieu commence à aller dépouiller. Dieu est allé dépouiller.
Si quelqu'un trouve grâce, le sœur craignait Dieu. Le frère craignait Dieu. Église craignait Dieu. Dieu, pour qu'il se lève, il se lève aux côtés des justes. Dieu se lève aux côtés des justes. Ils sont venus avec la promesse. Malgré 430 ans. Malgré 430 ans. Ils avaient la promesse. Il est promesse. Et cette promesse. Je connaissais. Que je retournerai mon peuple. Mon peuple reviendra à moi. Et moi je serai leur Dieu. Tu as la promesse. Que Dieu pour te retourner. Patron, il au trône que tu avais perdu. Où qu'on a promesse. Tu as la promesse. Que Dieu pour te retourner. Pas montagne, pas dans la montagne où tu étais rabaissé. Où qu'on a promesse. Tu as la promesse. À où t'as couffé. Tu ne mourras pas. À où t'as couffé. Tu ne mourras pas. Malgré 430 ans. Malgré 430 ans. Je te vois, toi, tu ne mourras pas. Malgré 430 ans. Malgré ma tête. Malgré la souffrance. Qu'il est mis à jour. C'est que je sais. Ma tête ta souffrance à toi. A une éternelle. N'est pas éternelle. Aïe yako. Ta honte. A une éternelle. N'est pas éternelle. Ma jaribu yako. Tes épreuves. A une éternelle. Ne sont pas éternelles. Kumbingu. Au ciel. Kukomungu. Il y a un Dieu. On l'appelle éternel. Malgré souffrance. Malgré la souffrance. Israël. Israël. Arikuye konaria. Était en train de ce n'était pas un homme qui pouvait le sauver. C'était Dieu. Oh, je sais que ta souffrance. Il y a un Dieu qui va te sauver. Ton combat. Il y a un Dieu qui va te sauver. Je suis en train de voir la main. La main. La main qui. La main qui porte de l'or. La main qui porte l'or. C'est la main qui va te combler. Si tu plais à Dieu, même dans la souffrance, tu dois plaire à Dieu. Même dans les épreuves, tu dois plaire à Dieu. Même dans les mauvais temps, tu dois plaire à Dieu. Les yeux de Dieu sont sur le juste. Les yeux de Dieu sont sur le juste. Dieu est en train de te voir. Dieu te voit. Malgré souffrance. Malgré la souffrance. Malgré, malgré le mal. Les yeux de Dieu sont sur le juste. Les yeux de Dieu sont sur le juste. Mais Dieu regarde le juste. Il le regardait. Il est descendu. Premièrement, il les a fait faveur. La faveur. Dieu les a fait faveur. Continue, ma sœur. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. A mutaenda mikono pule. Sœur. Dada, tout ce temps que tu mènes dans la souffrance, tu as traversé, tu ne sortiras pas. Mais vite. Waouh. Waouh. Ils n'ont pas écouté. Tous les jours que tu as mené dans l'esclavagisme, tu ne sortiras pas. Pendant qu'ils voulaient sortir, ils ne sortiront pas, mais vite. Tant pis. Tant pis. Ils ne sortiront pas. Jacob ne quittera pas chez Laban, mais vite. Parce que Dieu doit les combler. Dieu doit les combler. La richesse. Avec la richesse. Trouvez grâce.
Tu ne sortiras pas. Mais vite. Dans la maison de ton père. Dans la maison de souffrance. Tu attends pleurer. Dieu veut te combler. Tes mains à toi. Ne sortiront pas vite. Tu ne sortiras pas vite. Tu ne sortiras pas vite. My God. Mon Dieu. Que cela soit fait. Tu ne sortiras pas mais vite. Cette année. Dieu. Il touchera tes ennemis. Chaque femme demandera à sa voisine. Kila mwanamke atalomba kwa jirani wake. Shika mambo. Et à celle qui demeure dans sa maison. Na kwa ule ekonekala naye munyumba. Des vases d'argent. Atalomba mitungi ya feza. Des vases d'or. Mitungi ya zabu. Et des vêtements. Na mavazi. Que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Il mutavika babinti na babitotoyenu banamuke. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Na mutapanyanganya ba misri. Rudiapal. Reviens là-bas. Rudiapal. Reviens. Kamena kupita hapa kajiako. Si ça te dépasse, c'est ton problème. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison. Achala. Kila mwanamuke, chaque femme. Il faut que tu aies bien. Tu dois savoir vivre bien avec les gens. Il faut que tu aies bien. Il faut vivre bien avec les voisins. Kila mwanamke, chaque femme ataomba demandera ku bajirani à sa voisine. Anza tata. Chaque femme demandera à sa voisine. Kila mwanamke atalomba kwa jirani wake. Et à celle qui demeure dans sa maison. Na kwa ule ekona keti munyumba yake. De vases d'argent, mitungi ya feza, de vases d'or, mitungi ya zabu, et de vêtements, na mavazi, que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Yale mutavika ba binti yenu na batoto yenu banamuke. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Na mutaenda kwa tosha, kwa nyanganya, wa Misri. Kia kwanza ni nini? Chaque femme demandera à sa voisine. Qui a kwanza ila taomba ni nini? Ce qui demandera c'est quoi? Des vases d'argent. Mitungi ya feza. Mitungi ya feza. Le vase d'argent. Ya piri. Des vases d'or. Mitungi ya zahabu. Le vase d'or. Wow. Ya tatu. Le vêtement. Ma vase. Le vêtement. Ya ine. Et après ça vous mettrez ces vêtements sur vos fils et vos filles. Ah kisha. Vous dépouillerez les Égyptiens. Waouh. Tunaona monde ya giza. Nous voyons le monde des ténèbres. Tunaona monde ya giza. Nous voyons le monde des ténèbres. Ile ni kunyanganyaka. Kitse qui t'avait arraché. Tainafika. Le temps est arrivé. Mungu wako. Ton Dieu à toi. Ni Mungu mzima. C'est un Dieu vivant. Mungu wako. Ton Dieu à toi. Ni Mungu wa kurudisha. C'est un Dieu qui restitue. Hapa niko nasema. Pendant que je suis en train de parler. Ninaanza kuona Égyptiens. Je commence à voir les Égyptiens. Bananza kurudisha. Ils commencent à restituer. Bananza kurudisha. Ils commencent à restituer. Bananza kurudisha. Ils commencent à restituer. Bakurudishe poste. Ils restituent ton poste. Bakurudishe batoto yako. Ils restituent tes enfants. Bakurudishe feza. Qui restitue l'argent. Pourquoi feza? Pourquoi l'argent? Bile Mungu atakukomble. C'est que Dieu va te combler avec. Zahabu. L'or. Ni bintu bya kukawa. Ce sont les choses durables. Zahabu atena pita mumoto. L'or, même si ça passe par le feu, aitaribika. Ça ne peut jamais se détruire. Mungu atakukomble. Dieu veut te combler. Aina bintu bya muta. Ce ne sont pas les choses éphémères. Mungu atakukomble mtu moya. Dieu veut combler une personne. Na bintu bile bitakawa. Avec les choses durables. Gloire il est à kawa. La gloire qui va durer. Uzao il est à kawa. La maternité qui va durer. Kazi il est à kawa. Un travail où tu vas durer. Mungu qu'on a comblé. Dieu est en train de combler. Mailo sayagora. Mon Dieu. Mungu qu'on a comblé. Dieu est en train de te combler. Auta kwa sabale baripataka makuta. Tu ne seras pas comme les gens qui avaient eu l'argent. Inenda. Et c'est parti. I Mungu atakukomble naye. C'est que Dieu va te combler avec. Ni bintu bya gloire. Ce sont les choses de gloire et les choses qui durent longtemps.
longtemps. La première des choses, ils ont obtenu faveur. Et la deuxième des choses, Dieu a ordonné qu'on commence à leur donner les vêtements. Oh, tes enfants ne seront pas nus. Dieu est en train de te vêtir. Il enlève la honte. Que Dieu te vêtit de gloire. Que Dieu te vêtit de gloire. Que Dieu te vêtit de gloire. Dieu va te vêtir de la gloire. Zahabu. L'or. Biombo bia zahabu. Les vases d'or. Bananza kubapatia. On commence à leur donner. Dieu est en train de dépouiller le monde des satanistes. Tout ce qu'ils avaient volé, Dieu va les dépouiller. Je vois Dieu en train de dépouiller. Je suis en train de voir Dieu qui est en train de dépouiller ton argent à toi. Il te restitue. Dieu va les dépouiller. Il est en train de dépouiller ton argent auprès des Égyptiens. Dieu les dépouille. Dieu les dépouille. Les Égyptiens, ce sont les sorciers. Ce sont les magiciens. Dieu va les dépouiller. Tu ne resteras pas mes vides. Tu ne serviras pas Dieu mes vides. Oh, je vois Dieu se lève. Il commence à les dépouiller. C'est là qui ont bloqué ton argent. 430 ans. Mungu ataba dépouiller. Dieu va les dépouiller. Mungu kona ba dépouiller. Dieu va les dépouiller. Mungu kona ba dépouiller. Dieu va les dépouiller. Bale bari bote. Tout cela. Ni be Égyptien. Ce sont les Égyptiens. Bananza kutosha. Ils commencent à enlever. Tu Mungu anakufanya nema. Parce que Dieu t'a fait grâce. Mungu anakufanya nema. Dieu t'a fait grâce. Bachawi. Les sorciers. Imwaka. Cette année. Mungu ataba dépouiller. Dieu va les dépouiller. Dieu a comblé. Pour que toi tu sois comblé. Mungu a comblé na zahabu. Pour que tu sois comblé de l'or. Mungu a comblé na fedha. Pour que tu sois comblé de l'argent. Mungu a comblé na gloire. Pour que tu sois comblé de la gloire. Mungu a comblé na utukufu. Pour que tu sois comblé de la gloire. Ah yes. Oh Jésus. Ésaïe chapitre 22 verset 18 à 22, nous lisons au nom de Jésus. Il te fera rouler. Rouler comme une balle. Bataku keuza keuza kama iyo kisasi lisasi. Sur une terre spacieuse. Pale pabulongo ya fwashi mnene. Là tu mourras. Na pale utakufwa. Là seront tes chars magnifiques. Na pale pataku ya binti yako ya mzuri. Oh toi, l'opprobre de la maison de ton maître. Na wewe shutumu ya nyumba ya mwalimu wako. Je te chasserai de ton poste. Mitakufukuza pakiti yako. L'Éternel t'arrachera de ta place. Na wa milele atakutosha pa ile fwashi. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim na fils de Hilkia. Ile shiku mitaita mutumishi wangu Eliakimu, mwana wa Elkija. Je les revêtirai de ta tunique. Nanita muvika kanzo. Anza bien pas, soma pale pas. Je les revêtirai de ta tunique. Nita muvika tena upia kanzo. Shikia. Je les sens. Acha mbele, fanya mbele, shonta mbele yodo. Kwa mwaminif. Sois fidèle. Kwa mutumishi. Sois serviteur. Le temps est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Mungu, Dieu, à ta voula, il va dépouiller. À ta voula, il va déshabiller. À ta voula, la voula badui. Il a dépouillé les ennemis. À ta voula, il va les dépouiller. Il va les enlever, les déshabiller. Mungu, à ta voula, Dieu va les déshabiller. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Mon Dieu, à ta voula, il va déshabiller tes ennemis.
C'est là qui t'ont fait souffrir. C'est là qui t'ont méprisé. C'est là qui t'ont humilié. Regarde-moi bien. Dieu va les déshabiller. Il est honneur. C'est honneur. Il est Shima. C'est honneur. Le temps est arrivé. Dieu appellera. Ataïta, il appellera son serviteur. J'aimerais te dire ce qui se passe. Les yeux de Dieu sont en train de regarder ses serviteurs. C'est là qui t'ont fait souffrir. C'est là qui te combattent. C'est là qui te méprise. Toi, reste à ton poste. Reste dans la sanctification. La sanctification paye. Redresse-toi. La sanctification paye. Le temps est arrivé. Mungu, Dieu, atatosha aya. Il enlèvera la honte. L'opprobre de ceux-là qui ont parole. De ceux-là qui ont gardé sa parole. Mungu atatosha aya. Dieu va enlever l'opprobre. Atatosha aya. Il va t'enlever l'opprobre. Mungu anaita mtumishi wake. Dieu a appelé son serviteur Eliakim. Mungu anamuita. Dieu l'a appelé. Bien aimé. Pendwa. Mungu anayora liobake. Dieu connaît ses exerciens. Panjina. A leur nom. Mungu anabajua. Dieu les connaît. Mungu anakujua. Dieu te connaît. Malgré magumu. Malgré les difficultés. Malgré giza. Malgré les ténèbres. Mungu anakujua. Dieu te connaît. Bakia paka mutakaso. Reste dans la sanctification. Mungu. Conserve Dieu. Le temps est arrivé. C'est là qui t'ont dominé. Mungu atabafukuza. Dieu va les chasser. Mungu anafia kufukuza. Dieu va chasser. Ba méchant. Le méchant. Balebari tawala. C'est là qui ont dominé. Kuko tamoya. Il y a un temps. Ba méchant ma tawala mu pays. Les méchants ont dominé dans ce pays. Ba tawala ma place yote. Ils ont dominé toutes les places. Munaza ku demander. Vous commencez à vous demander. Mungu wetu ko wapi? Notre Dieu, il est où? Kumbingu. Au ciel. Kuko Mungu. Il y a un Dieu. Eko na tawala. Il est en train de régner. Mungu wetu ko na tawala. Notre Dieu est en train de régner. Munaona ba méchant. Regardez le méchant. Banatawala. Ils ont dominé. Ba méchant. Le méchant. Banatawala fashi yote. Ils ont dominé partout. Kile mina miambia. Ce que je vous dis. Juu ya benye aki. À cause de juste. Uwaki. Le juste. Uwaki. La justice. Inanyanyua tena taifa. Élève une nation. Uwaki. La justice. Imukini. Et ce pays. Mungu astacha. Dieu ne peut jamais abandonner le méchant batawale, qui peut se dominer éternellement. Bientôt, Mungu atanza kubafukuza. Dieu va commencer à les chasser. Mungu atabafukuza. Dieu va les chasser. Munifuate mzuri. Suivez-moi bien. Munifuate mzuri. Suivez-moi bien. Ni message prophétique. C'est un message prophétique. Mungu astacha ba méchant. Dieu ne peut jamais aller sur le méchant. Bendele kute soa. Il continue à faire souffrir. Uzao ya Abraham. Oh, la progéniture d'Abraham. Tout qu'on a promesse. Nous avons la promesse. Tout comme la promesse. Nous avons la promesse. La promesse. Avec la promesse. Il n'a tout pas couché. Nous donne la vie. Il n'a tout pas bougé. Nous donne la vie. Fambele mukono. Fais d'abord la main comme ça. Mungu. Dieu. Mina mitabiri. Je vous prophétise. Kukoma mandat. Il y a le mandat. Yabantu aitakawa. Des gens qui ne peuvent mandat pas. Mandat méchant. Le mandat des méchants. Mungu atabafukuza. Dieu va les chasser. Mungu atabafukuza. Dieu va les chasser. Aubishikeble mikwa. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Mandat ba méchant. Mandat des méchants. Malgré baroeta mijiji. Malgré ils ont placé les racines. Malgré baritawala. Malgré ils ont régné. Malgré kiburi kiabo. Malgré leur orgueil. Ta inafika. Le temps est arrivé. Tu vas kutakasa jina ya Mungu. Parce qu'ils n'ont pas sanctifié le nom de Dieu. Mungu Abraham. Le Dieu d'Abraham. Atashimama. Il se levera. Atanza kubafukuza. Il va commencer à les chasser. Eko na bafukuza. Il va les chasser. Dieu établir. Pour qu'il puisse établir. Balebantu beko na jina yake. Les gens qui portent. Balebantu bali chunga parole. Les gens qui ont conservé la parole. Balebantu bali chunga parole. Les gens qui ont conservé la parole. Balebantu bali chunga foi. Les gens qui ont gardé la foi. Kuko ma mandat itaisha. Il y a les mandats qui vont se terminer. Et je vous prophétise. Mandat ya ba chef yenu. Mandat de vos chefs. Mandat ya ba sataniste. Mandat des satanistes. Mandat ya ba bantu babaya.
Le mandat des mauvaises personnes. Dieu va les chasser. Ils vont plus régner encore. Ils vont laisser les choses. Les postes pour que les enfants de Dieu l'adorent. Pour que les enfants de Dieu l'adorent. Dieu est allé les déshabiller. Les déshabiller et qu'il reste avec la honte. Dieu va les déshabiller. Il est ma pouvoir. Le pouvoir. Parce qu'ils n'ont pas sanctifié son nom. Parce qu'ils n'ont pas honoré Dieu. Dieu ira déplier. Il va les déshabiller. Et il va les laisser nuit. Il va enlever la ceinture. Il va enlever la ceinture. C'est-à-dire les champs. Qui ont régné bila ukweli, sans justice bila ukweli, sans la vérité bila ukweli, sans la vérité. Mungu wetu ni notre ukweli. Dieu il est vérité. Bantu mingi baritawala, la plupart des dieux ont tombé dans le pierre bila ukweli, sans la vérité bila uwaki, sans la justice. Bantu baritawala, les gens ont dominé bila ukweli, sans la justice. Beko na kata bantu makuta. Ils sont en train de couper l'argent. Beko na teswa bantu. Ils sont en train de faire souffrir les gens. Mungu wa buluma, le Dieu miséricorde, atabafukuza, il va les chasser. Ba méchant, le méchant Dieu akwetablir, pour qu'il puisse t'établir. Mungu wako n'établir, Dieu est en train d'établir bantu benye beko mupendeza, les gens qui le plaît. Les gens qui l'agréent. Aujourd'hui, si nous partons au parquet, on ne trouvera jamais la tête d'un chrétien et la tête d'un païen. Et si vous arrivez là-bas, tu ne trouveras pas un magistrat chrétien. C'est juste un système. Il y a un procureur. Il était pasteur. Une sœur. Bale badada. Les sœurs. Banenda kumona procureur. Sont allés voir le procureur. Mungu hawezi kuacha ba méchant batawale. Dieu ne peut jamais laisser le méchant pour qu'il puisse dominer. Charte moi mongope Mungu. Dis-moi que vous puissiez craindre Dieu. Faut pas que demain Dieu te place sur le trône. Seigneur, avant que je puisse t'engager, il faut que tu sois ma femme. Un monsieur, Dieu l'a fait sortir dans la poussière. Il n'avait même pas de chaussures. Il n'avait même pas de chemise. Il avait un polo comme si c'était une couverture. Dieu lui a placé sur le trône. Si Dieu te place sur le trône, c'est pour que tu puisses l'honorer. Ce n'est pas que tu puisses couper les ténèbres auprès des crésaires. Ils sont allés voir le procureur. Le procureur n'est pasteur. Procureur et le pasteur. Quand ils sont arrivés, les sœurs en Christ. Karibu sana. Approchez. Tukuna dossier. Nous avons un dossier. Il y a magistrat tel. Il y a tel magistrat. Oh, il a semaine. Oh, il est. On nous demande 10 000 $. 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 On pique à mon compte parce que 10 000 $. 10 000 $. Il y a amende à 10 000 $. Il n'a jamais existé l'amende de 10 000 $. Moi, je me demande bien. Allez lui dire qu'il puisse un peu diminuer. Allez-y lui donner ce que vous avez. Elles sont parties. Elle a prié quelque part. Il dit, ce problème-là ne me regarde pas. Ce problème-là, tu dois terminer avec frère, elle. Moi, tu me donnes ma part. Le frère, si vous ne marchez pas dans la justice, c'est ça l'opprobre des Congo. Parce que la justice n'existe plus. C'est alors que vous voyez le pays est dans l'opprobre. Où sont les justes? Ils peuvent relever la nation. Je connais un serviteur. Aritembe alo mikulu. Marché pieds nus.
à pied. Il a marché à pied, il a marché sans véhicule. Parce qu'il a marché dans la justice. On lui a combattu. C'est parce qu'il était fidèle. Comme Dieu il est juste, Dieu l'a comblé à Kamoa. Malgré les années, on l'a combattu. On l'a combattu. Mais il a souffert à cause de la justice. Mais comme Dieu il paye les justes, Dieu est en train de les payer jusqu'à présent. Parce qu'il a conservé Dieu. Sont allés, ils ont dit, procureur na foka sana. Le procureur a vraiment grondé. Alors ils appellent pour leur dire, procureur, ni nani enu? Procureur il est qui pour Asene vous pasteur, non, c'est votre pasteur, c'est notre pasteur. Asema. Il dit, c'est tout le pasteur, c'est à l'église. Ici c'est affaire argent. Banarudia tena. Ils sont allés encore. La hypocrisie à Christ. Avec l'hypocrisie des chrétiens. S'il y a des gens qui sont très hypocrites, ce sont les chrétiens. Comment est-ce que vous allez dominer la le hypocrisie. Monde avec l'hypocrisie? Ils sont allés, ils l'ont trouvé. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dit non, que nous rentrons pour te voir encore toi. Il a frappé encore. Je vais les limoger. Vous ne savez pas que vous êtes des sœurs en Christ. Et les sœurs ont eu même la fierté. La personne leur a dit, dans ce que vous allez me donner, une grande partie lui appartient. Nous, nous avons peu de pourcentage, c'est juste $500. Comment les hommes pareils, vous allez régner? Les jours à venir, Dieu l'a chassé. Il était de quelle église? 8e Sepak. 8e Sepak. Encore il y a un commandant. Le révérend pasteur. C'est un révérend pasteur. On est à mon endroit où on a fait pas révérend, ou à fois pas révérend. Quand mon endroit où nous vivons, on a beau révérend, mambo est narrivé. Si vous partez et vous les saluez, vous l'appelez révérend, là vous avez. Pas comme au latin, pas comme au latin. Il est toujours ici au latin. Mais quand on a fait, toi c'est mambo là, on a fait tout le. Papa commandant, bonjour. N'ose pas toucher au ministère, pasteur ou quoi. Non, non. Si tu commences avec le révérend, il prend ces dossiers-là et donne à une autre personne. Papa commandant, je viens auprès de vous. Il commence à te dire. Cherche ça. Ta faute à Yves. Cherche autant. Ta faute à Yves. Cherche autant. Pour toi. On t'a fait $1,500. Cherche-moi seulement $1,500. Nous allons terminer ce dossier. Mais comme on a cette bas révérend. Mais si tu commences bas révérend. Il est ma oubli à corrupt. Ta prédication que tu avais prêchée. Mon akosan. Ah, c'est fini. Vous allez vous quereller. Ce sont ces gens-là que Dieu a voulu élever. Mais justice aïna. Mais la justice n'existe plus. C'est un révérend des 37e communauté. Et puis il est doyen. Dieu chassera. Ces gens-là. Qu'il ne sanctifie pas son nom. Mon pays, dans ce pays, Mungu kono shimama, Dieu se lève, atabafukuza, il va les chasser, pa utawala, et sur le poste, sur les dominations, Dieu apatie bantu bale batatangaza jina yake, pour qu'il puisse donner aux gens qui vont publier son nom. Papa ça sabi konguvu, pa kuma société kuma biroku, uone kichwa kya mukristu na kichwa kya mupagano. Papa, il est difficile au bureau qu'on voit la tête d'un chrétien ainsi que un païen.
Il est difficile de distinguer une chrétienne et une prostituée. Si les gens meurent dans l'accident, on peut prendre la tête de celle-là, on enterre, et de l'autre aussi, Pour distinguer réellement que cette tête ressemble à un chrétien, ça devient difficile. Agite un peu ta main. Mungu, Dieu, et qu'on a chunga kale ka rest. Il garde, il attend ce reste. Kale kanaweza tena kuleta utukufu. Ce reste qui peut semer la gloire. Kuko bantu kuna risha batoto gravier. Il y a de ces gens qui font manger leurs enfants du gravier. Kuna risha batoto gravier. Te faire rouler du gravier, il faut te faire manger du gravier. Mukinyo abutamo. Dans la bouche, c'est goûtant. Mais dans le ventre, ça devient du gravier. L'argent de vol. L'argent saleté. Ces derniers temps, Kolwezi. La plupart des gens cherchent à ce qu'on puisse les envoyer. Pour qu'on puisse acheter un véhicule. Pour qu'ils trouvent l'argent. Mais comment est-ce qu'ils trouvent cet argent? Dieu appellera son serviteur. Son serviteur Eliakim. C'est quelqu'un qui agrée. C'est quelqu'un qui le craint. Même dans les sociétés, les choses ne marchent pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui refuse d'engager les gens. Le place pour qu'on lui donne la chèvre. Bouge. Une chèvre. Comment ces gens pareils pourront dominer et régner dans ce pays? Cherche-moi $400, je vais t'engager. Celui qui te demande d'aller chercher $400, il n'a même pas $10. Continue. Je le scindrai de ta ceinture. Na mita muvika mukaba. Mungu atanyanganya ile ceinture. La ceinture que Dieu va arracher la ceinture. Mungu akona fia établir ukweli tena. Dieu veut établir la justice encore. Ukweli, ukweli. La vérité. Ukweli rudie. Que la vérité retourne. Kuko bantu bakutumikisha ukweli. Il y a les gens qui n'ont pas servi, qui se sont pas servis de la vérité. Miko na miambia. Je suis en train de vous dire. Kuko mandat aitakawa. Il y a le mandat qui ne vont plus durer. Kuko pouvoir aitakawa. Il y a un pouvoir qui ne va plus durer. Kuko pouvoir aitakawa. Il y a un pouvoir qui ne va plus durer. Mungu kona chasser bantu. Dieu est en train de chasser les gens. Tu établir batoto yake. Pour qu'il puisse établir ses enfants. À établir muntu. Il ne peut jamais établir. À établir muntu. Il va établir quelqu'un. Muntu kufatana na moyo wake. Selon son cœur. Mungu anafia kuandama bantu. Dieu veut chasser les gens. Mungu anafia kufukuza bantu. Dieu veut chasser les gens. Même pa chefu yenu bengine. Même parmi vos chefs. Mungu atabandama. Dieu va les chasser. Ju ba Dieu batoto ba Mungu. Pour qu'on puisse laisser aux enfants de Dieu. Même ma province. Même dans les provinces. Mungu atandama bantu. Dieu va chasser les gens. Ju alete benye aki. Pour qu'il amène les justes. Kuko bantu banateswa bantu. Il y a de ces gens-là qui ont fait souffrir les Kuko autres. Bantu banangaisha bantu. Il y a des hommes qui ont fait souffrir les autres. Mungu anabamba mupango. Dieu a pris la décision. Anaita mutumishi wa. Il appelle son serviteur. Mutumishi wa Mungu. Le serviteur de Dieu. Ni muntu alichunga parole. C'est quelqu'un qui a conservé la parole. Ni muntu alichunga Mungu. C'est quelqu'un qui a conservé Dieu. Muntu alichunga Mungu. Quelqu'un qui a conservé Dieu. Mais quelqu'un qui ne peut jamais faire fonctionner le tribalisme. Quelqu'un qui n'aura pas de parti pris. Congo. Dieu vous a donné ce pays Congo. Mourenye. Que vous puissiez régner. Mouna shinda kutawala. Et vous avez échoué de régner.
Dieu chassera ou il roulera. Il y a de ces gens-là qui vont mourir pour qu'il laisse la place afin que les hommes de Dieu. Il y a de ces gens-là qui vont mourir pour que les justes puissent occuper cette place. Je reprends. Il y a les gens qui mourront pour que Dieu puisse restituer ses enfants. Dieu est en train de les déshabiller. La gloire qu'ils avaient. Que Dieu puisse les déshabiller. Et qui te fait porter toi. Que Dieu te fait porter toi. Qui te fait porter toi. Qui te fait porter toi. Dieu va les déshabiller. Voir, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Na mitau. Shikia Mungu yuko na nyanganya Mungu atamerudishia tena kutawala. Dieu va retourner encore. Mutatawala ibulongo. La domination, vous allez dominer. Mutatawala i province. Vous allez dominer. Mutatawala pashi yote. Amen. Muna pasho kutawala. Vous devez dominer. Mungu amipatie pouvoir ya kukawa. Et Dieu vous donne le pouvoir qui va durer longtemps. Pouvoir il est takawa. Le pouvoir qui va durer longtemps. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Shikia. Shikia. Écoutez. Mitaweka pabe kayak. Je mettrai sur son épaule. Pabe kayak. Sur son épaule. Fungulo. La clé. Ya Daoud. De la maison de David. Ya nyumba ya Daoud. De la maison de David. Il est fungulo. Et cette clé. Qui la ta fungula. Et ce qui l'ouvrira. Qui la ta fungula. Ce qui l'ouvrira. Qui ta funguka. Sera ouvert. Mina tangaza. Je déclare. Imwaka. Cette année. Uko na uwezo. Tu as le pouvoir. Uko na uwezo. Tu as le pouvoir. Uko na uwezo. Tu as le pouvoir. Ya beka ya nyumba ya Daudi. Sur la clé de l'épaule de la maison de David. Kile kyoto tafunga kinafungwa. Tout ce que tu vas ouvrir sera ouvert et kile fermé. Kile kyoto nafunga kinafunga. Ce que tu vas fermer sera fermé. Mina funga milango ya giza. Je ferme les portes des ténèbres. Mina funga milango ya. Je ferme les portes de la mort. Je ferme les portes de ténèbres. Je ferme les portes de la souffrance. Je ferme les portes de l'échec. J'ouvre. Uko na mfungulo. Tu as la clé. Mungu anakupatia fungulo. Dieu t'a donné la clé. Kile kyoto tafungula. Tout ce que tu ouvriras. Kitafunguliwa. Sera ouvert. Mariage yako ifunguliwe. Ton mariage soit ouvert. Kazi yako ifunguliwe. Ton travail soit ouvert. Uzao yako ifunguliwe. Ta maternité soit ouverte. Finance yako ifunguliwe. Ta finance soit ouverte. Baraka yako ifunguliwe. Ta bénédiction soit ouverte. Yote bile bilifunga bifunguliwe. Tout ce qui était fermé soit ouvert. Yote bifunguliwe. Tout soit ouvert. Finance yako ifunguliwe. Ta finance soit ouverte. Maisha yako ifunguliwe. Ta vie soit ouverte. Mungu sasa. Dieu maintenant. Ananza kukukombler. Il commence à te combler. A kukombler na maisha mrefu. Il te comble d'une longue vie. A kukombler na richesse mrefu. Il te comble de longue richesse. A kukombler na gloire. Il te comble de la gloire. Mungu anze kukukombler. Que Dieu commence à te combler. Mungu akukombler. Que Dieu puisse te combler. Mungu akukombler. Que Dieu te comble. Na bintu bya sasa. Avec les choses nouvelles. Mungu akukombler. Que Dieu puisse te combler. Mungu akukombler. Que Dieu puisse te combler. Apana bintu bya muda. Pas les choses éphémères. Bintu bya kukawa. Mais les choses qui diront. Mungu akukomble na maisha mrefu. Que Dieu te comble d'une longue vie. Mungu yuko anakubariki. Dieu est en train de te bénir. Akukomble na maisha mrefu. Te comble d'une longue vie. Akukomble na richesse mrefu. Te comble de la richesse. Mungu akukomble na bintu binene. Dieu te comble de grandes choses. Tainafika. Le temps est arrivé. Tainafika. Le temps est arrivé. Utakuwa trône. Tu seras un trône. Utakuwa trône. Tu seras un trône. Trône ya gloire. Un trône de gloire. Utakuwa trône. Tu seras un trône. Ya nyumba ya baba yako. De la maison de ton père. Ni wewe Mungu uko nakuweka. C'est toi que Dieu établit. Utakuwa trône. Tu seras un trône. Ya baraka. Des bénédictions. Utakuwa trône. Tu seras un trône.
de la maison de ton père. C'est toi qui sèmeras la fierté. Fieri ya nyumba baba ya. La fierté de la maison de ton père. C'est toi qui sèmeras la ya fierté de ta famille. Mungu atakuweka. Dieu t'établira. Utakuwa trône. Sera trône. Trône ya gloire. Trône de gloire. Apana trône ya aya. Trône de la honte. Utakuwa trône ya aya apana. Trône de l'opprobre. Utakuwa trône ya gloire. Sera trône de gloire. Utakuwa trône ya gloire. Trône de gloire. Mungu kona kuweka kwa enzi. Dieu est en train de placer sur le trône. Mungu alifanya kwa enzi. Dieu te fait un trône. Enzi ya utukufu. Un trône de gloire. Wenjo takufa fanya fieri ya Mungu mjamaa. La fierté de Dieu dans ta famille. Wenjo tafanya fieri ya Mungu mkizazi kienu. La fierté de Dieu dans ta famille. Shimama pale huko. Tiens-toi debout là où tu es. Mungu kona kupatia mtu mwa maisha mrefu. Dieu veut donner à une personne une longue vie. Mungu wana kabria maisha murefu. Dieu est en train de te donner une longue vie. Il est en train de te combler d'une longue vie. Juu mutumikie. Afin que tu puisses te servir. Shimama pale huko. Tiens-toi debout là où tu es. Shimama dada, shimama ndugu. Tiens-toi debout ma sœur, tiens-toi debout mon frère. Macho yetu ya kufunga. Nos yeux sont fermés. Dada shimama. Shibota tutomba uruma. Ensemble nous allons demander pardon. Mungu atukupendeze. Dieu on t'a pas agréé. Mungu atukupendeze. On t'a pas créé. Mungu tutakasi. Dieu sanctifie-nous. Mungu atukutembee muwaki. Nous n'avons pas marché dans la vérité. Tutakasi. Sanctifie-nous. Tumwambie Mungu atutakasi. Tuombe mu jina la Yesu. Prions, demandons à ce que Dieu puisse nous sanctifier. Sainte soit Dieu. Jésus. Ambia Mungu tutakasi. Bwana Yesu, Bwana Yesu, alini remu za. Bwana Yesu alini zambi zangu alizi same nilipata kuwa huru kweli kwa kwamba assemblé en étant debout. Mzee Yoshua ataombea bakurudia, atatombea shibote uruma. Mungu tunarudia. Yahweh, nous revenons auprès de toi. Nous étions partis loin comme ces fils prodigues. Il s'est retrouvé que la nourriture des porceaux était sa nourriture. Il s'est retrouvé qu'il n'était plus rien devant l'humanité. Oh Dieu, c'est ainsi que ton peuple, pendant qu'il s'est regardé, pendant qu'on a frappé cet appel, pendant qu'on a frappé cette trompette, ils ont accepté. À l'intérieur d'eux, il y a quelque chose qui les a interpellés. Ils se sont dit oui, nous avions abandonné. Oui, nous avions laissé la foi. Yahweh, quand ils reviennent, c'est une décision qu'ils ont prise. Yahweh, ton peuple si présent a accepté que ce n'était pas
dans la bonne manière, il pouvait te servir. Il s'est retrouvé dans l'esclavagisme. Il s'est retrouvé dans la désolation parce que ta présence était loin d'eux. Nous voici dans ta présence. Yahweh, nous revenons auprès de toi. Ne nous abandonne pas, sinon le diable va nous dépouiller. Ne nous abandonne pas. Nous voulons, oh Dieu, que tu puisses nous rétablir comme tu as établi ton serviteur Eliakim. Établis ton peuple. Pardonne-nous. Que ta miséricorde pèse sur nous. Que ta miséricorde nous donne, oh Dieu, nous fraye un chemin dans lequel nous allons arriver auprès de toi. Nos postes étaient menacés. Yahweh, nous voulons que toi seul, que tu puisses, oh Dieu, nous pardonner. Pardonne ton peuple. Pardonne celui qui a pris la décision de revenir ce matin. Merci, tendre Père. Augmente encore la foi que nous puissions te servir afin que ta gloire puisse te revenir au siècle des siècles. Dans les noms glorieux, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Que nous puissions obtenir grâce. Que Dieu nous fasse faveur. Que Dieu nous fait une grâce devant les hommes. Cette année, que Dieu nous fait une faveur. Qu'il nous fait une grâce. Ces gens ont obtenu la grâce. Que Dieu te fait grâce au travail. Devant ces païens. Devant ces magiciens. Devant ces féticheurs, ces occultistes. Que Dieu te fasse grâce. La grâce fera la différence. Prie à ce que Dieu te fasse grâce. Tape les mains. Que Dieu te fasse grâce. Qui te fasse grâce. Tape les mains. Que Dieu te fasse grâce. 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 Tape les mains. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Dieu fais-moi grâce. Que je puisse obtenir ma veille. Ne sois pas distrait. C'est le temps de la grâce que Dieu te fasse aussi grâce. Tu vas prier à ce que Dieu puisse te combler. Avec une longue vie. Une longue vie. Avec une gloire qui va durer. Avec une bénédiction qui durera. Que Dieu te comble d'une longue vie. Ma sœur, Dieu veut te donner le mariage. Et qu'il t'accorde aussi une longue vie. Bien-aimé, Dieu veut t'établir. La première des choses, demande à ce qui te donne une longue vie. Et qui te comble d'une longue vie. Qui te comble d'une longue vie. Pas une vie éphémère. Tape les mains. Dieu comble-nous d'une longue vie. D'une longue vie. D'une longue vie. Qui nous comble d'une vie glorieuse. Que Dieu te comble d'une longue vie. Qui te comble d'une vie glorieuse. Prie à ce que Dieu te comble d'une vie glorieuse. Yeah.
Il est le, le, le.